Bonjour, c'est Rachel. Non, je suis sûr que c'est covariant. Pas du tout, non. On va bien, je connais mon signe, c'est bien. C'est comme pour la musique, ça. C'est comme pour la musique. Exactement, j'essaie de me lancer, mais... C'est pas facile, hein. Avec un peu de chance. Mike Melody, DJ, producer. Ouais, on peut dire ça comme ça. Alors, tu as fait beaucoup de choses sur Lyon et la région, et peut-être plus. Tu vas nous en parler un petit peu plus en détail. Oui, dans des arts, parce que... C'est pas grave, ça. Je m'en prépare le truc. Mais y a pas beaucoup plus. Bon, ça va, tiens. Bah oui, effectivement, donc je vis depuis une petite dizaine d'années maintenant. J'ai eu ma première résidence à La Voile en 2006. D'accord. Je suis resté un peu plus d'un an. Et puis à partir de là, j'ai commencé à tourner un petit peu. Au début, c'était très lent quand même. C'était pas évident. Il y a beaucoup de monde sur la région. Voilà, c'est ça. Puis avec l'école située à Lyon, l'école des DJ, ça donne encore un peu plus de confiance. Bon voilà, donc exactement. Donc du coup, pour bosser encore plus, et puis persévérer, patient, et puis voilà, puis travailler, la communication. Voilà, la com, les prods aussi, donc prods de la production, donc en sortant de la voile. Et puis voilà, et puis... Et ça se passe plutôt pas mal. Alors on a notre ami Philippe Jacquet, très festif aujourd'hui, qui fait des petites bêtises comme ça. Et c'est sympathique, hein, par contre. Ils sont sympas les sièges ici, bouge tout seul. C'est la nouvelle technologie, c'est sur Wi-Fi en fait, tu vois, il y a deux ans. Avec qui ton massage? Ah bon, on a eu quelqu'un apparemment, c'était ma soeur tout à l'heure, il est juste en face là. Je suis comme bien. Quoi, il y avait ta soeur tout à l'heure? Il paraît, ouais. Donc au niveau production, bah donc ça démarre? Ou alors ça a démarré et ça continue? Il y a eu des débuts qui n'ont absolument rien donné. Ça a calé. Et puis, donc là j'ai signé récemment un titre avec un pack remix qui s'appelle Nice You. Donc il y a l'original. Ah, il y a qui est revenu là. Donc à l'original, un rework que j'ai fait avec Steven Torres, qui est le DJ du Tendance à Vienne. Et donc trois remixes, un par Gary Osteles, qui est le remix Artima. On ne connaît pas du tout, il a du tout, on n'en a jamais entendu parler. Il a, c'est pas un fils de Batringue, un espagnol qui s'est perdu dans le nom. En plus, il est avec un mec qui s'appelle Nino. Kenny Lopez, Kenny Lopez. Et il prend des soirées mexicaines, Pulsion Latina, exactement. Il y a du Cantal, lui, je crois. Ça y est, on va en parler, ils sont pas intéressants. Je crois qu'il y a l'oreille qui siffle. Parlons d'oreille, oui, il y a l'oreille qui siffle dans notre Latina. Donc le deuxième remix, c'est Mister Eddy, qui est un remix officiel d'Alex Godino et Benny Benassi, qui quand même pas rien. Mm-hmm. Et puis le troisième remix, c'est un peu moins connu, qui est Pierre de Cassac, qui est un DJ qui se situe... Il est vers Macon, et pareil, donc, il travaille avec plusieurs labels, il fait plusieurs remix. C'est sorti ou ça va sortir? Alors, l'original est sorti, son label, si je vous crée un petit label pour sortir mes morceaux. D'accord. Et par contre, le pack remix et les rework sont signés chez Momix Records, qui est un label sur Paris. Ok. Voilà. Donc ça, c'est le projet ça arrive là dans... Je pense que le temps que ça sorte dans les prochains mois, là, les 3 mois, je pense que c'est ça. D'accord, mais écoute, on espère que ça va... Bah j'essaie en puissance, Bah on verra, sinon j'ai fait un remix de Stonebridge, donc je sais pas si les gens connaissent, c'est un titre house, très house vocal, full time high le titre. Voilà, donc j'ai fait un remix de ce morceau, et puis là je travaille en ce moment sur les nouvelles prods en TK aussi. Est-ce que tu vas les intégrer dans ton mix? Alors, le remix de Claire de Castelnatio, le remix de Stonebridge aussi, j'ai un titre qui s'appelle Esprimal aussi, que je vais jouer, et puis là, donc le morceau que je suis en train de terminer, bon, il est pas masterisé ni rien, mais j'ai essayé de le placer pour voir un peu d'accord. Pour faire avoir des avis aussi. Ça fait plaisir. Bah écoute, on est impatient. J'ai fini tout à l'heure avant de venir. On est impatient d'écouter